l'une après l'autre, tous les succès du dernier hiver, et de refrain en refrain, les voix grossissent. Renversés sur nos chaises, nous crions, insoucieux, gonflés de trop de joie. Le violon de Bourlan ne s'entend plus, perdu dans ce cœur assourdissant, on braille. Écoutez ! Un brusque silence tombe, Bourlan s'est arrêté, l'archet levé, les visages surpris se froncent, on écoute inquiet, qu'est-ce que c'est ? Le même point cogne à la porte, et une voix vient de la nuit, un blessé, on ouvre vite, les paupières clignotantes, il entre, il est blême, avec de grands yeux cernés qui lui mangent les joues. Son bras gauche est tenu en écharpe par un grand mouchoir sale où s'élargit une tache rouge. Et ayant glissé jusqu'à sa main inerte, le sang s'égoutte sur son passage. Non, pas de rhum, j'aime mieux du vin. La main de mon poids tremble en le servant. Muet, gêné, nous entourons le copain. Il s'est assis lourdement, énergie fauchée. Plus un bruit que le glouglou du vin dans sa gorge sèche. Le chien s'est réveillé. Il se lève, flaire la piste, et goutte à goutte, il lèche le sang encore tiède sur les carreaux. 6 jours de tranchée, 6 jours de pluie, et nous voici revenus à la ferme. J'écris, assis tout contre le poêle, tassé le dos rond, mon poids a laissé sa pipe s'éteindre. On n'entend que la soupe qui chantonne et sa respiration oppressée qui siffle. Je le trouve changé depuis l'attaque. Il ne plaisante plus avec nous comme autrefois. Il reste des heures sans rien dire, à cagnarder sur sa chaise basse.